Et bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Galen pour les Jeux du Cygne. On se retrouve à Belle-Île-en-Mer sur notre partie de Infection Free Zone. On avait nettoyé. Oula, la carte est partie dans n'importe quel sens. On avait nettoyé par ici à la fin de l'épisode précédent. On va donc lancer nos escouades pour fouiller tout ça. Est-ce que je peux mettre les trois d'un coup? Non, parce que je peux pas sélectionner les trois d'un coup. Hop. Tac, 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 tac. Et voilà. Et puis, au niveau de la base, hop, on commence à voir bien fait le ménage. Là, on construit plus rien. C'est pas très grave. Là, on essaye de se dégager de la place. Et puis ensuite, on va se mettre à faire des murs. Parce que les murs, c'est des. Même si. Bon, jusque-là, c'est vrai que j'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est vrai que, plus ou moins long terme, il faudra que j'envisage d'en faire. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, bah, bon, j'accumule. Je ferai des murs en briques. Hein, j'en aurai la dose. Et puis bah, c'est vrai que j'accumule les ressources, je fais le ménage. Où est-ce que j'en suis de mon stock d'ailleurs? Mille 10 sur 1492, sachant que le stock est partagé entre le QG et les différents hangars. Voilà, je pourrais le cas échéant me refaire un autre hangar. Si je me retrouve de nouveau à être un peu en galère. Voilà, nos travailleurs d'usine nous font quoi? Des fusils d'assaut. J'en ai un en stock. Nos chercheurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Nos chercheurs, ils cherchent rien du tout. Qu'est-ce que je pourrais leur faire chercher? Maçonnerie avancée, structure défensive. Avec l'état de structure le plus élevé possible, les portails et toits fortifiés ont également plus d'espace pour affecter les gardes. D'accord. L'adaptation de bâtiments en maison, ce qui améliore considérablement la qualité des citoyens, affectant positivement leur morale. Ok, au niveau de la bouffe. Des engrais. Conserverie. Là. Causant de base, ouvrir la voie au développement des technologies de production, faire des engrais, carburant synthétique ou des balles. La météo, je l'ai recherché, centre météorologique, je ne l'ai pas construit. Produire des médicaments ou premier secours. Le centre météorologique. Tac. Centre météorologique vous permet de prédire la météo jusqu'à 9 jours. Sincèrement, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Je me suis pas fait de mât, mon Dieu. Un mât pour montrer la supériorité de notre installation. Tac. Indispensable. Enfin, inutile, donc indispensable. Centre météorologique. D'accord, donc il n'y a pas besoin. Là, la taille n'importe pas. J'aurais pu le mettre dans un petit bâtiment, du coup. J'ai peut-être été un peu vite dans tout ce que j'ai supprimé. Si là, je fais. Oui, sauf qu'ils vont me gêner, eux. Si là, par exemple, je fais annuler ce que je peux. Et non. Je pense que je peux plus l'adapter. Si. Ça le réparera. Alors, du coup, lui, bah, il est presque détruit. Et c'est pas grave, parce que là, ce serait plutôt un bon endroit. Donc là, hop, centre météorologique,
Voilà, j'ai mis une personne dessus. Là, je vais mettre une personne sur mon mât. On est en juin, donc on peut faire de l'agriculture. Hop. C'est un peu bizarre qu'on puisse, comme de cette façon-là. Ah, c'est la fin de journée, de toute façon. Alors, si c'est la fin de journée, il faut réaffecter aux gardes. Tac, tac. Alors, météo, dégagé, ben, j'aurais pas de... Ah. Ça doit être le vilain qui m'avait attaqué What do you précédemment. want? Well, to put it lightly, we're surrounded at. These infected jack shits are already inside, and we're stuck in the last room. We won't hold out for long, and none of my boys can come help, so. Why should we help you? We'll do anything, really! Whatever you want, your call. Bon, on va essayer de les recruter. Surrender your weapons and join us. But how are we supposed to live then? You're in no position to refuse. All right, all right. Do anything, just get us out of here. We're coming to get Allez, you. Je suis trop gentil. Thanks, mate. Just make haste, goddammit. On va finir de vider ça. Que quand même, on n'est pas trop pressé. Oui, donc là, c'est une météo avec pleine lune. Ciel dégagé. Et du coup, pas de problème de zombies. Tiens, toi, tu peux retourner ici. Hop, toi, tu peux retourner là. Et tac. Et toi là. Tac. Allez, on va envoyer tout le monde. Nettoyer la zone. Ok, Gambetta. Hop. On va aller par là. Tac. Tac. Et tac. Peut-être qu'ils nous serviront à quelque chose. Envoyez tout le monde. Au moins. Bon, ça va, c'était pas trop dur. Envoyez de l'aide au commandant des survivants, c'est pas ce que j'ai fait. Pas derrière. C'est là. Ah, que c'est pénible ça. Non, ça a vraiment l'air d'être ce bâtiment-là. Et il se passe rien. Peut-être que je vais attendre un peu. Je retournerai plus tard. Là, c'est un peu pénible. Bah, c'est voilà, on reste hein, sur un jeu en early access. C'est loin d'être parfait, c'est très clair. Ce qui est très clair aussi, c'est que dans cette belle île en mer, cette ville de belle île en mer, ça manque de magasins spécialisés. Il y a plein de magasins généraux. Bon, je peux pas dire que je suis en manque, hein. J'ai ce qu'il me faut en bouffe, j'ai ce qu'il me faut en munitions, j'ai ce qu'il me faut en armes. Carburant, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai ce qu'il me faut en tout.
Alors j'ai juste très peu de trucs médicaux. Ça pourrait être intelligent de fait de produire des médocs. En fait, parce que c'est vraiment le truc, il n'y a pas de pharmacie. Belle-Île en mer, il n'y a pas de pharmacie. C'est un peu dommage, parce que c'est quand même pratique les pharmacies. Ou les hôpitaux. Ou... Alors là ensuite, ça peut dépendre de la zone qu'on a choisie. Hein. Typiquement, bah, y a des zones dans lesquelles il y a plus de bâtiments spécialisés. Par exemple, si on choisit une zone avec un centre commercial important, bah, on va avoir plein de bâtiments en rapport avec la bouffe ou autre. Même si j'en ai pas besoin, je vais quand même aller chercher, parce que c'est les quelques bâtiments spécialisés que j'ai. Hop, je vais t'envoyer là et là. Tac. Tac. Tu vas rentrer au bercail. C'est comment? C'est là. Toi aussi. Tac. Hop, déposer le stock. Hop. Toujours penser à attendre un petit peu quand on est arrivé dans une voiture pour qu'il recharge en carburant. Bon, ici j'envoie quelqu'un là. Hop. Ça la gouille un peu là. Ça la gouille carrément. À chaque fois que je recharge, j'ai des bâtiments que je suis sûr d'avoir déjà vidés. Qui se retrouve à être de nouveau avec un point d'interrogation. Bon, définitivement, il ne se passe rien là. Hop, je vais vous envoyer ici. Hop. De nouveau le jour. Ce qui est formidable aussi dans ce jeu, c'est que les gens n'ont pas besoin de dormir. Ah, c'est un gros bâtiment. Ouais. Aussi, c'est un gros bâtiment. Hop, hop. Des fois on dirait pas. Pourtant, franchement, enfin si, alors ça, comme on est dans le fort, ça doit être un donjon ou un truc comme ça, je pense. Ah, j'ai des gens. Tiens, allez les valider. Tac. Qu'est-ce qui me cause la zone attaquée? Qu'est-ce qui attaque? Je ne sais pas. Voilà. Send them in. Hop. Search done. Ouais, il galère. Ça monte lentement. Ah oui, c'est l'éclat de la structure du coup qui est complètement défoncé. Je sais pas. Bizarre. Je vais arriver à combien? Où est-ce qu'on voit le nombre d'habitants?
Hop, allez, invité. Oh, ils sont nombreux en plus. Hop, tout est fini. Et tu m'emmènes. Il y a personne qui m'attaque. C'est n'importe quoi. Toi t'es fini, mais t'as pas eu grand chose. Hein. Tu vas finir tant que t'es là. Hop. T'as fini la construction. Laquelle? Bâtiment achevé. T'as fini. Qu'est-ce que j'avais lancé? Ah, le mât. Indispensable. Je pense que c'est ce bâtiment-là, en fait, qui est buggé. Ah oui, et lui... Déconstruction. Je pense que c'est celui-là qui est buggé, du coup. Ici, je produis de la... Oui, avec des céréales. Ouais, j'ai plein de gens dedans. Donc tout va bien. Là, je produis. Alors, toi, t'as fini de vider ta zone. Tiens, est-ce que deux jours, ça fonctionnera mieux? Je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas trop. Mais... Je pense, mon centre météo, je suis pas prêt de l'avoir. Bon, là... Quête buggée. Vérifier que c'est pas les bâtiments à côté, mais... Hop. Des fois que... On dirait pas... Ça qui réaffecte pas tout seul. Hop, allez, on va en défense. Ah, est-ce qu'ils vont arriver avant la nuit? Ouais, on va y aller. Tac. Nickel. Nickel, ça va faire plein de récupérateurs. Tac. Alors, toi, t'as fini de vider ta zone. Hop, tu peux rentrer au QG. Toi, du coup, t'as pas grand chose à fouiller. Est-ce que j'ai besoin d'être spécifique? Ce jeu a vraiment besoin d'un outil qui permette de fouiller toute une zone. C'est juste vraiment pénible. De devoir cliquer sur chaque bâtiment indépendamment. C'est totalement contre-productif. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les vilains? Ah, du monde. D'accord. That's what you get for messing with us. The risk I took was calculated, but man,
Ah, les battes, c'est la vie. C'est bien connu. Attends, toc. Va dans ta voiture et voilà. Est-ce que de là, non, je les ai pas. Les tours se font attaquer. Allez, va là-dedans. Et vous avez même le droit de tirer, les mecs. Hein. Bon, voilà. Pourquoi j'ai qu'un seul flingue là? Alors j'en ai plein en stock. C'est n'importe quoi. Hop, on va se rééquiper et on va dans la base. Hop, tu vas me fouiller ça. Et ensuite tu rentres à la maison. Il faudrait aussi, à mon avis, un système de réparation automatique des tours dans la journée, par exemple. Ah, toi, t'es bientôt full. Allez, à la maison, toi. Alors, où est-ce qu'ils sont les hostiles inbound? Ils sont là. Ah zut, je vais pas finir. Je pensais. Hop, c'est déjà le matin. Hop, tout le monde à la récup. Et puis ensuite on fera des murs. Je vais peut-être devoir me faire plus de champs aussi. Maintenant que j'ai beaucoup de monde. Tac. Je vais m'en faire 4 de plus. 3, 4, 8. Tac. Donc, toi, bah, tu vas continuer de fouiller ailleurs. Là, j'ai tout vidé déjà. Tu vas aller par là. Hop. Tu vas t'arrêter ici, toi. Des fois que comme j'ai eu une nouvelle discussion. Ça c'est toujours la même merde. Ouais. Bon, ça ne fonctionne toujours pas. Tac. Hop là. Clear. No more to find. Oh, il faut en faire des kilomètres. Tac. Tac, tac. Ah. Cela. Faut pas les laisser passer. Voilà. C'est fait. Tu sais, j'ai pas récupéré. Ah oui, ils avaient que des machettes. Ennemis repérés. Ah, ceux-là, ils ont des guns par contre. Alors, eux, on va les gérer en vitesse lente. Done. We finished construction.
Ça, c'est le top, hein. Mettre un bâtiment entre eux et nous. Hop, et comme ça. Voilà. Tac. On recherche à la fond. Tac. Le bâtiment entre eux nous permet de couper la vue. Donc du coup ils peuvent pas nous tirer dessus en avançant. Et ensuite, quand on est dans le bâtiment, il se retrouve à être. On peut leur tirer dessus depuis le bâtiment. C'est la meilleure strat pour se débarrasser de raiders comme ça. Tac. Oh, j'ai des bandes qui glandouillent là. Ah oui, j'ai beaucoup de monde qui glandouille, d'accord. 34 en agriculture. Ça fait beaucoup, non? Alors, j'ai beaucoup de monde qui glandouille, ça veut dire que j'ai fini de dégager toute ma zone. Et j'ai pas de bâtiment de météo. Je pense que c'était un énorme échec. Là, t'as pas de céréales? Mais alors? Alors, qu'est-ce que je peux y faire? Je dois avoir fini mes... Je peux faire une infirmerie. Soigne les autres travailleurs et membres de l'équipe, occupe des lits médicaux. Voilà, dans le sens, ils doivent produire des trousses de premiers soins, c'est ça. Donc on va faire, là, c'est un petit effectif. On va faire une... Effectif 18, effectif 5. Waouh! Ok. Là, j'ai aussi un petit bâtiment. Je vais faire un effectif de 5 pour cela. Bon, mon centre météo, je vais le faire ici. Hein. Du prout. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Centre de recherche, c'est fait. Là, il y a les tours, murs. Usine, nanana. Ok. Là, j'ai rien de bien plus folichon à faire. J'aurais pu aller chercher ma soignante, sinon il m'en faut 8 pour ça. Alors, ce qui me surprend, c'est qu'il ne soit pas en train de me produire. J'ai bien mes 5 scientifiques qui y sont. Je ne sais point. Bon, on va commencer à faire des murs. Allez, tac. Mur en briques, j'ai plein de briques, j'en mets 611, donc c'est parti. Il faudra juste que je prévoie un emplacement pour faire une porte. Je vais peut-être démolir cette tour là et je vais faire une porte à la place. Donc un mur de briques, tac, ensuite, tac, s'il veut bien, alors il faut que je garde appui, c'est vrai, tac, hop, ça la bouille. Plutôt bien fait en fait, je trouve ce système de construction de murs, ça permet d'être à la fois un peu souple sur comment est-ce qu'on veut faire. Là j'ai... Hop. De pouvoir s'adapter facilement. Ah ouais, alors le problème c'est que j'ai des trucs qui me gênent là. Donc il va falloir que je fasse ramasser le métal sur cette zone-là, parce que là j'avais des lampadaires qui étaient un peu chiants. Et ramasser les briques aussi.
Donc, tac. 36 ici. Bon. 8 là, donc je vais mettre. Comment ça se fait que j'en ai autant sur l'agriculture? J'en ai 8 normalement. Ah, 8 et 18. Mais 8 et 18 chez moi, ça fait 2, 4, 6, 8. Ah non, j'en ai 16 et 18. Ça fait effectivement 34. Donc je vais mettre. Je vais en mettre pas le maximum. Attends, je vais mettre le maximum ici. Et puis là, je vais mettre. Voilà. Et tac. Voilà, moite-moite. Hop. Non, sauf que tant. Tac. Là, il me faut une porte. Ah, je peux pas faire de porte en brique encore. Hop, on va la faire dans la continuité de la tour. En termes d'interface, je verrais bien aussi un truc qui indique les escouades qui n'ont plus de recherche en cours. Alors, il pleut. Alors là, on a le petit cri qui nous dit que ça va chauffer sévère. Donc, tac. On va ramener tout le monde au QG. Tac. Toi tu vas là. Et tu rentres au QG. Il me faut mes gardes. Il me faut impérativement mes gardes. Sur une nuit de horde. Toi, t'as pas entendu que je voulais que tu rentres. Elle est où la horde là? Tiens, est-ce que je peux pas mettre. Toi, tu dois pouvoir prendre un fusil mitrailleur aussi. On est trois en stock, tout à fait. Tac, tac. Non, tu veux pas. Là, d'accord. Le tout, c'est de se mettre d'accord. Hop. Non, c'est sur l'arme qu'il faut que je mette. D'accord. C'est pour ça que ça voulait pour. Alors, c'est vrai que j'ai pas de. Je vais mettre une équipe ici parce que si j'ai du monde qui vient au sud, j'ai rien ni personne pour défendre. Alors, justement, j'ai du monde qui vient au sud. Hop. Et on va en mettre deux. Même trois. Tchouk. Oh, il est plus lentement. Ils viennent tous par le sud. Ok. Bon, ça là, c'était pas mal en fait. Bon, il faudrait que. Je peux pas changer les paramètres. Non, je peux pas.
Donc les paramètres de début de partie, bah, logiquement, sont des paramètres de début de partie. Merci pour ce commentaire qui sert à rien, de rien. Hop. Et ben, les gardes peuvent repartir garder. Hop. Allez, et on est reparti pour fouiller. Là, ça veut toujours pas vouloir. Tac. Toi, tu vas pouvoir aller finir de vider ça. Hop. Et toi, tu vas aller repartir par là. Tac, tac, tac. Morning, everybody. Time to earn your living. Another one incoming. Il est où? Il est planqué, lui, non? Non, il se balade. On est en plein jour et il se balade. Ah oui, c'est comme d'accord. Il peut marcher parce qu'il pleut. Bon, et là définitivement ça va pas. Si. D'accord. Ah non, ça c'est autre chose. Bah ouais, tôt ou tard. Are you okay? No one's okay. The end is near. It's right there, right before us. Calm down, sir. Calm down, sir. Don't you see? You're wrong. There's still hope. Can't give up. We're all gonna die. We're all gonna die. We're all gonna die. We're on the move. La fin des temps, ça porte un peu sur le ciboulot à la fin. Bon, ceci dit, il faut quand même que je fasse gaffe parce que je peux avoir des zomblards dans la journée. Pourquoi vous êtes à pied, vous? Oh. Huck. Oh oh. Barrez-vous. Sir. Sir. You won't believe what just happened. One of the infected just followed us outside. Into the sun. Well, what's worse? Let's do it. He seemed to know exactly what he was doing. It took him a moment to give up, but then he returned to the darkness. What the hell is going on? Better get back there and kill it. Allez, les autres, vous avez même le droit de tirer, hein. Non? Non, vous préférez vous...
Donc les murs vont se construire petit à petit. On devient moins petit. 3 sur 8 ici, 14 sur 36 ici. Ça la gouille. Ça la gouille. Operator, reporting. Building clear. Hop, 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 hop. Ready for action. Allez, c'est bien, vous retournez à votre tuture. Operator. Poum, 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 poum. Vous y aurez passé la journée à faire un petit aller-retour. C'est nice, hein. Allez, toi, j'ai raté le clic droit. Qu'est-ce que t'as terminé comme construction? Ah, des murs, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous autres. Vous autres qui aimez bien marcher. C'est dans Walking Dead, je crois, où ben justement on les appelle les marcheurs. Parce qu'ils passent leur temps à marcher. Hop. Mes bouts de mur qui se terminent. Ah bah décidément le centre météorologique il aura toujours eu un peu du mal. Hop, d'accord. Et ça veut dire qu'il en a vu un morceau et d'accord, ils sont loin. Mais il faut quand même s'en méfier un petit peu. Ça va être des pans de mur. Ouais, ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont terminés. Alors, toi, t'as fini de chercher. Attends, tu vas peut-être te rapprocher de ta caisse parce que. Il y a quand même un peu du zomblard dans le coin. Ouais, tu vas même rentrer à la maison. J'aime pas trop. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Zou. Non, mais t'as raison. Attends, on va me tirer, c'est mieux. Ouais, hop, entre à la maison. Hop. Et toi, t'as fini tes recherches. Hop. C'est la nuit, c'est la nuit. Donc, on remet. Tac, nos gardes. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils font plus de recherches? Parce qu'il y a une mise à jour qui fait que le bâtiment scientifique, parce que normalement ça produisait des. Ça produit des bouquins quand ils ont rien à rechercher. Ready for action. Receiving. Clear. Building clear. Let's do it. Port spotted. Hostiles inbound. Voilà, j'ai pas récupéré grand chose donc.
Entre la maison. Et toi aussi. Tac. C'est con qu'ils puissent pas leur tirer dessus au passage. Une ou deux, trois bastos par les fenêtres. Hop, allez, et je vais arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petits pouces. On aime toujours ça. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.